Et yo tout le monde, c'était Zamil et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va jouer à Yo-Kai Watch Puni Puni, comme vous le voyez. On va essayer de farmer apparemment sur Wiki le level 185 pour le rouage. Donc je vais le farmer. Bon, est-ce qu'on a le courage et on l'a. Donc en fait, c'est Ivan Tous qui nous donner le rouage. Donc, lui, c'est Yo-Kai là, c'est Ivan Tous. Et donc, ben, je vais essayer de former comme ça. Au bout d'un moment, je vais avoir le rouage. Sachant qu'il me le faut 3 fois encore pour que dans certains yokai leur point de vie augmente. Mais moi c'est pas d'avoir la Yo-Kai Watch modèle 0 qui m'importe. C'est ce qu'elle peut faire qui m'importe. Car il y a un mode que j'ai découvert sur Puni Puni, que j'avais pas vu ça sur Weeble Wobble parce que j'avais la modèle 0 sur Weeble Wobble. Eh ben, on peut recevoir, enfin on a un slot de plus, donc une équipe en plus, on peut créer une deuxième équipe. Donc, hop, donc là j'essaye d'augmenter mon seigneur Emma en même temps que d'augmenter l'autre Yo-Kai ici pour l'event, parce qu'il me reste 4 jours. Avant que l'event, enfin le boss Yo-Kai soit terminé. Non, j'ai pas eu le roi. Moi, je vais faire comme le wiki le dit. Hein. Vous n'êtes pas obligé de suivre comme moi je fais. Au bout d'un moment, j'ai skippé après ce combat. J'ai skippé comme ça, vous. Comme ça, à chaque fois, je vous fais remettre jusqu'au moment là. Pour comme ça, vous voyez quoi que j'ai eu. Donc après ce combat-là, je vais commencer à skipper. Et ça peut prendre plus d'un jour. Du coup, pour avoir le modèle 0. J'ai farmé tout. Les yokai, les... Le QB, j'ai eu dans le Bingo Kayoni pendant un event avant qu'il revienne au Bingo Kai. Bon, comme ça, je fais quand même un peu mal. Et bon, ben je l'ai pas eu. Du coup, ben on se dit à tout de suite pour ben quand j'aurai le rouage sur un autre level. Regardez. Alors, je vais vous montrer sur quel level j'ai eu. Sur le level 126. Donc là, le level 140, regardez. Preuve que j'ai même été arrivé au niveau 185 francs, 100 francs, 100 fantastico, donc qui montre ben, que c'est celui-là. Sauf que moi, donc je suis passé à autre chose,
Et hop, j'ai eu un rouage dans celui-là. Donc je vais encore le farmer jusqu'au moment que j'ai tous les rouages. Les gars, exagéré. J'ai eu, Là, je viens d'avoir un deuxième rouage. Donc en fait, ce level, vraiment, si vous faites semblant d'enregistrer, puis vous mettez pause, vous allez vraiment avoir de la chance comme un malade. Et là, si j'ai un deuxième rouage, je vous jure, je commence à refermer le level. Ah non, on va trouver le coup. C'est un bon coup. Enfin, c'est ce level. Bah du coup, je vais vous laisser. Je vais essayer encore de farmer pour avoir le dernier rouage. Parce que là, il ne manque plus qu'un rouage. Et c'est bon. J'aurai eu tous les rouages. Du coup, on débloquera la modèle 0 en octobre. Et on fera, pour ça, un tirage de Mingokai. A tout de suite. J'y arrive vraiment pas, ça m'énerve. Je vais essayer de passer à celui-là. Je vais essayer de faire celui-là une fois. Dans la vidéo. Et les autres fois, je vais faire des... dans la vidéo. Vu que techniquement, c'est un yokai classique. Il me semble que c'est un yokai classique. Les levels sont français. Enfin, la plupart des yokai sont classiques et lui il vient de Yokai Watch 2, donc normalement il devrait être classique. Enfin, pas tous les yokai de Yokai Watch 2 sont des classiques, mais la plupart c'est. Après, on va faire un peu l'event. Donc, je vais arrêter de farmer au bout d'un moment. Et je vais passer à l'event. Ouais. On va passer vite à l'event pour que je vous montre déjà mon rang. Enfin, mon rang, et vous pourrez très bien vous moquer de moi dans les commentaires. Car, vu mon rang, je ne risque pas de les dépasser. Que j'ai fait que 8000. Mon objectif c'est déjà de dépasser les 10 millions. Alors je suis très mal barré. On va acheter un peu tout ça. Je sais que les insaisissables et les mystérieux ça fait des coups critiques sur les yokai mignons. Donc là moi je vais essayer de le speedrun le truc. Et donc on est parti pour le vrai combat. Alors, dites-vous que j'ai pas de. J'ai qu'un rang triple Z là, hein. C'est que des rangs double S sinon. Oui, parce que je me suis pas dit. J'avais pas le meilleur yokai. Je sais. Là, ouais, j'ai un triple S encore. C'est le Enma que je viens d'utiliser pour la multime. Pour après refaire Kiwi en G, encore une fois. Tac. De faire le plus de dégâts possible. Mmh.
Je compte bien dépasser mon record. J'ai fait 8 millions, je vais faire les 9 millions. Regardez, hop. Je passe aux 9 millions. Peut-être aux 10 millions. Non. Je vais passer aux 10 millions. Oui. Je suis 10 millions. Yes. Je suis à 11 millions. Oh, j'ai jamais fait autant. Je vous jure, j'ai jamais fait autant. Je suis remonté de place, mais je suis remonté. Oh, c'est la première fois que je fais 10 millions. Je vous jure, là, je suis capable de mettre d'autres yokai à la place de tout que des Enma. Non, ils sont pas si forts. Aïe. J'aurais pu mettre des insaisissables, c'est bon. J'avais des vrais puissants insaisissables. J'en ai pas. Ça, c'est pire. Et du coup, moi je vais retourner farmer sur le même level tout le temps. A tout de suite. Quand je suis plus en vidéo, bah maintenant on ne le trouve plus. Donc on va devoir farmer en vidéo. Non. Non, 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 non. C'est pas possible. Non. Oh là. Quoi, hop. Ça, il dégage. On peut jouer. Mes chances, ils sont fait moins 1. Car oui, les trucs perfides, ça ne passe. J'ai dû farmer dans les limbes, c'est pas bon. Dans le sanctuaire divin. Oui, car moi je les ai formés là-bas. Les yeux, je ferme les yeux, je ferme les yeux. Est-ce que j'en ai... Non, c'est encore pire. Au moins, ça m'augmente les chances d'avoir immédiatement les... Comment ça s'appelle ? Les rouages, parce que quand ils vont être level 7, je pourrais que avoir un objet. Je pourrais pas avoir. Je pourrais pas les avoir comme yokai à farmer. Comme ça, ça va moins m'ennuyer. Donc, ouais, c'est très utile, mais ça casse les roubignoles. Au bout d'un moment. Non, c'est pas une série. La série, elle ne sort. Je ne ferai pas de série Yo-Kai Watch Puni Puni. J'en ai déjà essayé et ça a très très mal tourné, donc je les ai bien sûr arrêtés. J'ai arrêté la série et on ne pourra plus jamais la retrouver. Oui,
Vous allez dire, oh dommage, on aurait bien voulu avoir une série si certains en voulaient une. Mais moi, je ne ferai pas de série Yo-kai Watch Puni Puni autre que des trucs. On farme ça, pour, comme ça, on a ça. Tirage d'une bingo-kai. Je ferai que ça, moi. Je ferai pas plus parce que je suis vraiment pas dans le mode envie de faire une série comme ça. Ça va bien tourner. Non. Ça va mal tourner. Non, j'aurais pu faire un peu plus mal. Oh, oui, j'ai un modèle zéro. Oui, enfin, alléluia. Les gars, on va célébrer ça avec un tirage de Bingo Kai. Vous êtes prêts? Maintenant, on va là, ici. Regardez. 5000. Non! Non, ça coûte 5000 yens. Ah, je suis dégoûtée. À part si j'ai une quête qui me donne des yens. C'est quoi cette chance? Oh my god. 3, 2, 1. Je la porte. Du coup, ça voudrait dire que j'ai débloqué le nouveau truc. Oh, maintenant à 3000 yens, je vais pouvoir voir le truc. Oh, en vrai, je suis super content d'avoir eu la modèle 0. Mais maintenant, on n'a plus qu'à farmer les yens. Et moi, j'ai une technique simple pour farmer les yens. Et oui, c'est l'event. L'event qui nous permet d'être facile. Non, mais... Je prends ça parce que ça va me donner des bulles de temps. Et du coup, ça va me rajouter une seconde en plus. Moi, le but, c'est pas de faire des points. C'est tellement magnifique. Là, le but, c'est juste de faire des yens. Mais je sais que c'est facile dans les events comme ça. Voir des yens.
mais je repaye pas. Hein. Et jamais je repaye. Attendez deux secondes. Ou alors, il y a aussi une autre technique que tout le monde fait, c'est de battre les yokai. Donc moi, je vais me battre contre celui-là, vu qu'il est seul et en plus, c'est facile à le battre. Voilà, ça va être, c'est battu. J'ai juste à charger Kyubi ou alors un autre yokai et c'est bon en fait. Regardez, là je suis déjà à 700 yens alors que j'étais 400, j'étais à 400. Donc en gros là je gagne 300 yens par level. Oh non, pas un perfide. Vite, je voulais faire vite fait bien fait, mais ça va prendre plus de temps. Ok, dégage perfide. Ouais, dégage perfide, c'est bon, il s'est barré. Donc j'ai buté. Hop. J'ai même plus envie de réfléchir. Hop. Dès que j'ai une ultime chargée, je l'utilise. Que ce soit n'importe qui, je le one-shotterai. Ah. Ben, je vais essayer de faire. En fait. Je crois que plus c'est grand, plus ça va faire de pognon, comme dirait Capitaine Krabs. Ou alors, voilà. J'ai cru que voilà les quêtes. Vous savez quoi? Attendez, on va essayer de battre des yokai tout facile. On va faire au tout début du jeu. On va les exploser en moins de 5 secondes. Fini. J'ai fait une attaque. Quand je vous dis que ça passe très vite, c'est que je déconne pas. 30 yens. D'accord. Mais j'ai eu la pire idée. Bon ben. Faut passer sur les gros yokai. Philomène. Allez, on est parti pour faire Philomène. Je vais essayer d'exploser Philomène très rapidement, sans mourir, sans une seule fois mourir, car je suis mort 3 fois la dernière fois. Donc j'ai intérêt à buter ses yeux surtout.
Non, 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 non. Par contre, ça c'est très agaçant. Kiwi. Faut que je cherche Kiwi. Non? That's it, I'm calling the police. Mais je peux même pas charger mes Weebob. Je peux rien faire. That's it. I'm calling the police. Elle fait trop mal. Je vous jure, elle fait trop mal. Si je veux vraiment faire ça, je crois qu'il va me falloir ma vieille team. Ça faisait longtemps que j'ai pu jouer avec cette team. Vous allez voir comment je les ai explosés. Je vais l'exploser cette fois-ci. Cette fois-ci, elle n'aura rien à dire. Elle va être explosée. Elle va... Kaboum. On va péter tous les yeux comme ça. Je vous jure. On va utiliser une à ultime à chaque fois. Non. Non. Putain. C'est dur. Elle doit mourir là, elle doit mourir. Elle meurt pas! Elle utilise un cheat, c'est ça que vous allez me dire. Bon, cette attaque va la tuer. Ouais. Enfin. J'ai repris ma vengeance. Et on doit répéter ça plusieurs fois. Dites-vous que là j'essaye en plus déjà d'augmenter des yokai au niveau des gros yokai au niveau 50 pour comme ça après je me retrouve avec la blinde de bons yokai niveau 50. On est déjà parti sur le premier rail.
Vous savez quoi? Plus d'œil. Tiens, comment je vais faire? J'ai plus d'œil. Bah, du coup, ça veut dire plus d'attaque. Ça veut dire que je vais me faire exploser la tronche. Kaboum! Et voilà, c'est fini. Ciao, ciao. Allez, plus qu'à le répéter deux fois le level et c'est fini. Sachant que j'ai fait 4, que j'ai fait 5 fois le level. J'essaie de battre le record que j'ai fait là en même temps. Donc je vais essayer de faire au moins 2 millions. Bon, je suis vraiment désolée que cette vidéo est super longue. Et vous voulez bien arrêter de bouger. Voilà, plus que deux fois. Là, je suis vraiment pas capable de faire des millions tout de suite. Là, je crois que débloquer la nouvelle team, ce serait vraiment bien. Parce que du coup, ça pourrait en fait faire que je fasse une team pour l'event, pour les events, à changer tout le temps, et une team pour continuer l'aventure. Mais pète un œil, voilà, ça se calme. Je vais péter un câble sur ce yokai, je vous jure. J'ai jamais vu un yokai aussi énervant.
j'ai fait 5 millions, je m'en rends compte. Hein? Bon, on va pouvoir débloquer la nouvelle équipe. Donc, alors, pour ceux qui se demandent comment on a ça, en fait, il faut avoir battu McCracken. Et l'ayant battu, vous débloquez cet objet que vous ne savez pas encore utiliser. Celle-là, on va utiliser la boucle classique. Et celle-là ici. Et donc celle-là, on va la modifier. On va en mettre. Et donc, comme vous pouvez voir, j'ai une équipe là. Je clique là et j'en ai une autre. Et donc ça me permettra donc d'avoir de différentes équipes. Je vais rester par haut. Donc vous voyez maintenant on a débloqué et voilà. Mais du coup on n'a pas pu faire notre tirage de Mingokai. Je suis vraiment désolée, mais avec ce qui s'est passé. Oh tiens, no use. Et donc avec tout ce qui s'était passé, on n'a pas pu pouvoir faire le tirage du Mingokai, et en plus on a débloqué une nouvelle équipe et on a débloqué la Yo-Kai Watch Model 0. Donc je pense qu'on va s'en arrêter là quand même pour un très bon épisode de Yo-Kai Watch Puni Puni. Ce ne sera pas une série, par contre je le préviens. Rejoignez mon serveur Discord dans la description. Allez, abonnez-vous et likez la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire comment vous avez trouvé cette vidéo et si vous n'aurez pas des astuces pour avoir plus rapidement des yens et des y points, et aussi pour augmenter dans le classement si vous voulez. Donc voilà, c'était Day the Mill et je vous dis ciao ciao.